میرے فنی باری کے جو ہے پہلے پہنچتا تھی شور پر T'as enlevé ton shampoing? J'ai pas eu ça. Attends, laisse-moi le côté. Une belle clé. Sur le match, il était quand même beaucoup plus tactique, si je peux dire. On n'a pas vu de grands jeux. Mais quand même, c'est normal parce qu'on cherchait un peu plus le résultat. On cherchait à canaliser un peu l'équipe adverse, qu'on a bien étudié. Et puis voilà, donc on n'a pas vu vraiment du beau jeu. Ils ont quand même monopolisé le ballon au milieu. On le savait d'avance. Il fallait être patient. Donc c'est ce qu'on a fait, surtout en première mi-temps. On a pas fait grand chose, surtout dans les couloirs où on a eu de la difficulté parce que les joueurs n'ont pas respecté ce qu'on leur a dit. Mais en deuxième mi-temps, ça a été fort et on aurait pu glaner les 3 points. Il nous impressionne à chaque fois, mais on le sait qu'il peut encore mieux faire. Maintenant, s'il sort son grand jeu, il peut mieux faire. Mais quand il se met dans son petit jeu, c'est ce que je dis toujours, on devient petit joueur. Donc aujourd'hui, quand même, il ne faut pas l'oublier que son couloir n'était pas bien fermé au départ. C'est ce qu'on a vu, on a inversé un peu les rôles avec Kadri pour mieux faire. On savait que Bejaï a été beaucoup plus sur les côtés. Et voilà. Donc Blakhtar avec ses dribbles, il a une technique très appréciable. Et puis, il peut faire mouche à chaque fois des 2 pieds. D'ailleurs, il travaille des 2 pieds. Voilà. Béjaïa, on l'a créé, on l'a préparé, on l'a vu. Vous avez tous lu, je pense, le journal. On a été les pieds un peu. Donc, c'est correct. C'est-à-dire, nous, on a fait un plan de match. On l'a suivi à la lettre. Voilà, donc Béjaïa, je ne vais pas parler de l'autre équipe parce que ce n'est pas mon équipe. Je ne peux rien dire, mais bon, nous, on a préparé un plan pour jouer contre Béjaïa. Moi, je regarde plus mon équipe et je parle plus pour mon équipe. Vous avez fait pour ce point? Est-ce que vous le méritez vraiment? Vous, est-ce que vous croyez qu'on le mérite? Si, on a vu qu'on n'avait pas joué très bien parce que l'équipe de Béjaïa a vraiment c'est pour ça, du moins, moi, que vous ne méritez pas. Ouais, merci bien si on ne le mérite pas, mais le résultat final, c'est un but partout. Et vu le nombre d'occasions nettes de scorer, je pense que si vous voyez, à moins que je n'ai pas vu en première mi-temps, certes, on n'a pas fermé le jeu sur les côtés. Ils auraient pu nous faire mouche plusieurs fois, mais les occasions, les vraies occasions de but devant le but, je parle bien devant le but. Pas monopoliser le ballon au milieu, mais devant le but, on a eu plus d'occasion. Et il y avait des contres de 3, 2 contre 1, 3 contre 2 qu'on pouvait mieux faire. Voilà, c'est ce qu'on a travaillé pendant toute la semaine. Et voilà, donc je parle pour mon équipe, on a eu beaucoup plus d'occasion. Pour le moment, maintenant, je ne fais que mon travail. Ils sont faits, c'est le résultat final. Bon, mais quand même en première mi-temps, quand même, c'était difficile. Et en deuxième mi-temps, quand même, on a su comment agir. C'est l'essentiel. Voilà. Mais on a raté une occasion quand même nette. Mais on peut dire que c'est un résultat équitable. Voilà. On a raté, eux aussi, ils ont raté. Alors... Merci. C'est bon? C'est comme ça. Ouais, ok, merci. Ça va. À votre écoute.
Pardon? Le match. Donc, le match du deuxième de suite à domicile. Ben, pour ce qui est du résultat, bien sûr, c'est décevant. Parce que un match nul, ça n'arrange pas ce qu'on ose à faire si on aspire à jouer les premiers rôles. Mais bon, sur l'ensemble de la production, ben, j'estime comment l'équipe a nettement dominé son sujet. Je félicite l'Alma pour son match nul. Mais pour ce qui est du nombre d'occasions nettes qu'on a ratées, moi je pense qu'elles sont innombrables, des occasions en France. Même en fin de partie, elle n'a pas voulu. L'Azabala a nettement refusé de rentrer sur la ligne. Elle revenait. Il y a des jours ainsi. La seule satisfaction, c'est que notre équipe, souvent, elle domine ces sujets. Et malheureusement, on n'arrive pas à marquer. Il y a toujours cette inefficacité qui nous poursuit. On espère qu'on va très vite y remettre. On a vu sur le volet tactique qu'il y a un changement. Tu peux lui dire maintenant, disons à celui-ci. C'est tant mieux parce que c'est tant mieux que notre équipe s'adapte à tous les schémas. Nous avons les joueurs qu'il faut. Nous avons dû mettre les joueurs qu'il faut. Donc on peut changer de stratégie à tout moment, à chaque match. C'est tant mieux pour nous. Oui. Qu'est-ce que je vous dise, moi ça m'étonnait. Bon, c'est peut-être d'ordre psychologique. Ça commence à être d'ordre psychologique. Techniquement, on arrive devant les buts, mais malheureusement, à chaque fois, on les rate. On pense plutôt à mal faire plutôt que de bien faire. On a peur de mal faire. Et puis, à chaque fois, on passe à côté, c'est comme ça. Bon, l'Allemagne aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de chance. Moi, je pense que c'est. J'espère pour lui qu'il va réussir d'autres exploits pareils, mais ça m'étonnerait qu'il marque des buts comme ça à chaque fois. Il a eu de la chance, et tant mieux pour lui. Mais sinon, pour ce qui est des occasions de but, moi, je ne me rappelle que d'une seule nette, celle où Cédric, en première mi-temps, où il l'a fait sortir, mais sinon, on aurait des occasions. Moi, je pense que les plus franches, elles étaient de notre côté. L'histoire technique, de la GFND, manquer du courage en incorporant notre joueur plutôt en attaque. Ce n'est pas une question de manque de courage, mais l'équipe elle était constamment en place. Il y avait des assauts constants. N'importe qui pouvait marquer. On a rajouté un autre attaquant. On s'est dit que peut-être avec un attaquant de plus, on va débloquer la situation. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Voilà. Le moment d'un remplacement de Camerounais qui a pris beaucoup de temps, ça n'a pas été tardif. Parce qu'il est dans c'est possible qu'on a peut-être tardé, mais sinon la plupart du temps, le collègue, même le Yaben, il a du mal à se retrouver, il a bien commencé, mais par la suite, moi, je pense même lui aussi, il est un petit peu affecté sur le plan psychologique. Il a bien commencé par la suite. Je pense que le doute s'est installé en lui. C'est dans les conversions de Bafou sur le côté gauche. Oui. C'est un Barouati qui joue à gauche. Et alors que le couloir, il y a un Blachter, par exemple, qui aurait pu donner un plus du côté. Parce que défensivement, Bafou, il n'y a pas à discuter. Oui. Mais offensivement, est-ce qu'il aurait pu animer le couloir gauche alors qu'il y avait quelqu'un de... Moi, je pense que Zavouer, à chaque fois qu'on l'a fait jouer sur le côté gauche, ça donne une satisfaction. Et puis, c'est un joueur qui joue des deux pieds en plus, parce que quelqu'un qui arrive à centrer ou à tirer du gauche, moi, je pense que... C'est un choix. Quatre mois sans victoire. Avec le temps, c'est sûr, après chaque résultat, il y a une déception, le moral est atteint, mais je pense que les joueurs ils ont assez d'expérience pour vite se remettre à partir de la prochaine journée. Il suffit juste d'enchaîner avec un bon résultat et tout va rentrer dans l'ordre.
pour la prochaine journée, c'est une journée spéciale. Donc, ouais. Le match difficile avec CRB, match revanche, un jour aussi du tableau. Ouais. C'est pour ça. De toute façon, tous les matchs sont difficiles. Tous les matchs sont difficiles, mais pas impossibles. Dans les passés aussi, on était partis vaincus dans les mêmes circonstances. Plus encore, parce que c'était un match à enjeu pour les deux équipes. Encore plus pour... ils avaient tout. L'avantage était pour eux. Mais au bout du compte, on les a battus. Et on espère peut-être que cette fois-ci aussi, on va rééditer l'exploit. Ça m'étonnerait que ce soit qu'ils ont pris les équipes à la légère, parce que on n'est pas dans une situation où on peut prendre les équipes à la légère, parce qu'on a besoin de victoires. Ça fait longtemps qu'on ne gagne pas, donc c'est pas ça. Vous savez, je reviens pour les chutes. Ils sont payés, ils sont dans un bon ambiance, dans un bon esprit. Et le Brotel, c'est au niveau du flanc offensif. On n'arrive pas à marquer, on se crée beaucoup d'occasions. Mais comme je t'ai dit, à chaque fois, on a plutôt, les attaquants, ils ont plutôt peur de mal faire. Donc, ils partent pas en complète possession de leurs aptitudes psychologiques. Tu vois, ils sont un petit peu bloqués. Mais moi, je... Oui. Surtout que vous avez utilisé tous les attaquants. Oui. Pour la suite, il suffit juste de faire un bon résultat et puis tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Moi, je pense que la solution est là-dedans. Et moi, je suis convaincu que si on enchaîne un bon résultat, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Ah oui, malheureusement.